Bonjour, je vais vous proposer une petite activité en pâte à modeler en rapport avec le livre que je vous ai raconté, Les Trois Ours. Donc avec la pâte à modeler, on va fabriquer les trois bols. Alors il te faut la pâte à modeler qu'on a fabriquée la dernière fois, j'espère que tu l'as toujours. Donc on va commencer par fabriquer le bol de Papa Ours. Donc le bol de Papa Ours, il doit être assez gros. On va prendre une boule assez grosse. Voilà, je fais une boule. Et puis cette boule, je vais l'aplatir. Et je vais transformer cette assiette en bol. Voilà le bol de Papa Ours. Je le mets là. Maintenant, pour faire le bol de Maman Ours, je vais prendre un peu de pâte à modeler, mais un petit peu moins. Je fais ma petite boule et j'écrase. Et ensuite, je retourne les bords pour faire un bol. Et je regarde si le bol de Maman Ours est plus petit que celui de Papa Ours. Oui, il est plus petit. Maintenant, il me reste à faire le bol de Petit Ourson. Alors là, je vais prendre une toute petite boule de pâte à modeler. Je fais ma boule, je l'écrase avec la main, je relève les bords pour transformer l'assiette en bol et je regarde si c'est plus petit que Maman Ours. Oui. À côté de ces bols, je vais mettre des petites cuillères. Une grosse cuillère pour Papa Ours, une cuillère moyenne pour Maman Ours et une petite cuillère pour Petit Ourson. Donc je vais prendre un petit peu de pâte. Je commence par la cuillère de Papa Ours. Je vais faire un boudin. Tu te souviens comment on fait le boudin? Voilà. Oh, ça ressemble pas à une cuillère. Je vais enlever un morceau et là je vais faire le bout de la cuillère et je vais l'accrocher ici. Voilà, elle est peut-être encore un petit peu grande et je mets ma cuillère à côté du bol de Papa Ours. Maintenant je vais faire la cuillère de Maman Ours. Pour le bol de Maman Ours, je prends un petit peu moins de pâte à modeler, je fais le boudin . Je prends un petit morceau au bout . Je fais le bout de la cuillère . C'est pas simple . Voilà un petit peu plus petite cette cuillère que la cuillère de Papa Ours. Je la mets à côté du bol de Maman Ours. Et maintenant il me reste à faire la cuillère pour Petit Ourson. Je prends un petit morceau de pâte à modeler, je fais mon petit boudin, je prends un petit morceau pour faire le creux de la cuillère et je regarde bien que ma petite cuillère est plus petite que celle de Maman Ours. J'enlève un petit bout, je vais réduire encore un petit peu, on voit bien la différence de taille. Et voilà. Le bol de Papa Ours avec sa cuillère, le bol de Maman Ours avec sa cuillère et le bol de Bébé Ourson avec sa cuillère. Donc, dans cette activité, on travaille les gestes, on fait rouler, appuyer.
la tire, on fait les bords, mais aussi on travaille la taille des différents éléments et on travaille aussi la numération. À chaque fois, il y a 1, 2, 3 bols, 1, 2, 3 cuillères. Donc c'est un petit exercice où on peut revoir la quantité jusqu'à 3 et la taille. Grand, moyen, petit. Et ben, j'espère que cette activité vous a plu. Et ben, à vous de faire des jolis bols et des jolies cuillères pour toute la famille ours.